Yo, est-ce que ça vous dit de faire un petit tour dans les égouts comme ça? Donc, on commence cette vidéo par une fille qui a fait tomber son iPhone dans les égouts. Y a pas plus simple. Elle a fait ce que tout le monde devrait faire en cas de extrême urgence. Ça veut dire aller dans les égouts, yeah! Hey, je suis premier, alors donnez-moi une médaille au chocolat. Au minimum, hein, parce que... Mais putain, mais ça aurait été pire s'il a été défoncé. Mais non! Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la feuille de coque, ça... Et ça, c'est un animal. Et apparemment, elle s'est pas rendue compte qu'elle est allée trop loin et qu'elle risque sa vie pour ça, bordel! Tout est bon pour faire chauffer un mec au téléphone tout en étant bourré! Attendez, je crois que nous avons une nouvelle version de l'histoire. Ah, voilà mon portable! Maintenant, je vais me barrer avec ça! Non, reviens ici par là, connard. Après cet épisode douloureux, elle retrouva son portable très tard et peu après regarda son Instagram. Mais, what the fuck, mec, c'est qui a posté ça? What the fuck? Je me barre pour casser la gueule de celui qui a fait cette version. Sinon, quand les pompiers sont arrivés, ils ont dû être super contents d'enlever la merde qu'il y avait sur cette putain de fille. Hein? Mais cette fois-ci, allons faire quelques kilomètres pour aller au Portugal. Apparemment, un supermarché, ça vend de la coke, non? Mais oui! Hein? Et c'est vraiment vrai? Non! Mais si! Ah, mais il faut que j'y aille tout de suite, vu que je suis un dealer débutant. Mais en tout cas, ça aurait été parfait si tous les employés en auraient pris. Bonjour à tous et à tous. Et bienvenue dans notre magasin. Où on vend des lapins mutants et des chats qui violent des... Enfin, on peut acheter de la drogue légalement. Merci l'ami. Mais, ça veut dire que les super hypermarchés bourrés du Portugal deviendraient des... Les supermarchés bourrés toujours à côté de chez vous. Eh, j'imagine bien le singe prendre de la coke, tiens. En tout cas, avec un tel dealer débutant... Hey, voici ma droguerie. Tu veux pas entrer? Bon bah c'est pas grave, hein. De toute façon, je fais 0€ de chiffre d'affaires, le magasin est en faillite, alors c'est pas grave. Bref, quand il avait mis de la coke dans la marchandise de bananes, il fallait tout de façon s'attendre à ce qu'il y avait de la coke un jour dans le rayon. Et les dealers bouffaient plus de fruits et de bananes vu que c'était inclus avec la coke, donc ça voulait dire que... Oh my god! Les singes étaient bourrés aussi! Et pour finir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Même que je pourrais faire un podcast, c'est les écouteurs qui font la teuf dans notre poche, bordel de merde! Mais si, vous savez, la sensation d'être dans le métro, d'essayer de mettre en place ces putains d'écouteurs de merde, et donc de ne rien branler, et donc de... Eh bien, un scientifique a trouvé une solution pour essayer de mettre en place ces écouteurs de merde, putain de merde! Alors, c'est quoi? Mais lâche pas le temps, moi! De la quoi? Un petit clip? Mais c'est quoi un clip? Ah mais putain, il est HS, voilà. Alors, content de mettre 600€ dans un iPhone de merde qui ne tiendra que 4 ans? Putain de merde! Alors voilà, c'était en gros un remake de l'épisode 1 des News What The Fuck qui va encore s'écraser sur un mur de la planète des murs. Voilà, si ça t'a plu, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, tu peux aussi rejoindre les réseaux sociaux, etc. Et moi je te dis salut. Ah oui, à la semaine prochaine, hein. Putain, ça j'oublie toujours, mais merde quoi. Mais merde.